Pourquoi nos dirigeants mentiraient sur ces expériences? Parce que mentir est une seconde nature chez eux. Regardez l'étude de Tuskegee sur les Afro-Américains dans les années 30, ou le cas d'Henrietta Lacks. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ça, c'est la pièce manquante. Mais la réponse est toute trouvée. Ce gouvernement qui cache, qui stocke même la technologie extraterrestre depuis 70 ans, aux dépens de la vie humaine et de l'avenir de la planète, est poussé non seulement par la cupidité industrielle, mais aussi par un objectif plus noir. La prise de contrôle de l'Amérique. Puis du reste du monde, par tous les moyens nécessaires, aussi violents, aussi cruels ou aussi expéditifs soient-ils, comme de fortes sécheresses provoquées par des guerres climatiques menées secrètement à l'aide de polluants aériens et d'ondes électromagnétiques de haute fréquence, ou en générant délibérément des situations qui justifient un état de guerre permanent afin de détourner l'attention de nos concitoyens, de les indigner et de les assujettir grâce à des outils tels que le Patriot Act et le National Defense Authorization Act qui limitent les droits constitutionnels au nom de la sécurité nationale. Par la militarisation des forces de l'ordre dans les grandes villes des États-Unis, la construction de camps de prisonniers par l'Agence fédérale des situations d'urgence sans objectif justifié, la main mise sur l'agriculture et l'industrie alimentaire, pharmaceutique, sur les services de santé par les industriels, dans le but d'engraisser, d'endormir et de rendre malade une population déjà rongée par le consumérisme. Un gouvernement qui met vos téléphones sur écoute, collecte vos données personnelles et surveille vos allées et venues en toute impunité. Un gouvernement prêt à utiliser ces données contre vous le moment venu. Et là, la prise de contrôle peut commencer. La prise de contrôle de l'Amérique. Par des élites de différentes nationalités, un groupe bien huilé et bien armé qui sélectionnera, tuera et soumettra le peuple. Et ça se passe en ce moment même. Ça se passe tout autour de nous. C'est le calme avant la tempête. Ça commencera sans doute juste avant le week-end. Les banques annonceront une fermeture temporaire de leur système informatique pour raison de sécurité. La monnaie numérique disparaîtra. Ils peuvent nous voler notre argent? S'en suivra une détonation de bombes à impulsion électromagnétique qui coupera les principaux réseaux électriques. On croira à un attentat contre l'Amérique par des terroristes ou la Russie.